Salut, bienvenue sur ma vidéo. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui à Tadoussac, dans une petite ville à 1h30 de Chicoutimi, la ville où j'étudie en ce moment même. Deux de mes amis m'ont rejoint. Du coup, je suis avec Cara de Montréal, que vous avez déjà vu dans mon premier vlog, et Nicolas, qui a eu enfin son permis d'études. Donc du coup, on est là toute la journée pour visiter Tadoussac, faire une visite en bateau, pour voir les baleines, et visiter le coin, qui est fort sympathique, comme vous pouvez le voir. Du coup, j'espère que la vidéo va vous plaire, et moi, je vous laisse avec la suite. Alors Cara, tu en penses quoi? Non, ça fait assez mignon, mais genre ça fait grave penser, tu sais, les petits villages de films d'horreur. C'est vrai. J'ai pris en main le vlog. Là, à cause de Cara, elle veut s'acheter des babioles de souvenirs et le truc est fermé parce que la dame elle est. Oui, t'as un cliché totalement. T'es un cliché. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Tout de suite. Voir les baleines. Tout de suite, ça m'énerve. Ah ouais. Ah, c'est grâce à qui qu'on fait ça ici? Grâce à Zacharia, qui est gentil parce qu'il m'a payé les billets que je ne vais jamais lui rembourser. Sinon vraiment il y a un tipi là et vraiment je veux une expérience comme ça, dormir dans un tipi. Mais je l'ai déjà fait en plus quand j'étais petit. Super. Du coup à 12h30 on va prendre un bus qui va nous emmener à l'embarcation pour prendre le bateau. Et on a une excursion de 3 heures où on va voir les baleines et le fjord du Saguenay. Là, c'est magnifique. Cool,
là on vient de finir notre croisière en bateau et la visite du centre d'interprétation des mammifères marins. Du coup franchement c'était cool. C'est pas très grand le centre d'interprétation, c'est juste un petit lieu en fait où il y a des squelettes de mammifères marins, de baleines et tout. C'est vraiment beau. Ouais, il y a plein d'explications, c'est très interactif et tout. Pour avoir le plus d'informations possible sur les mammifères marins, particulièrement les animaux visibles dans le lac. Du coup, je vous conseille franchement d'y aller. En plus, ça coûte pas cher, genre 15$. Et en fait, on, avec cet argent-là, en fait, on finance surtout la recherche dans le milieu marin. Du coup, double vocation. On apprend et en même temps, on finance la recherche. Donc, c'est plutôt pas mal. Et franchement, là, on est en train de se balader dans des parcours de randonnée jusque pas loin en fait, du centre. Du coup, c'est grave stylé. Et faites attention, les rochers sont très glissants. J'ai failli me casser la gueule. Franchement, c'est magnifique. Genre vraiment, c'est dépaysant. J'adore. Je vous conseille vraiment Tadoussac. Hein. Venez surtout quand c'est possible de voir les baleines. Pas après octobre, quoi. Du coup, ouais, non, jusqu'à fin septembre, je crois que c'est possible. Mmh. Regardez, on a une vue magnifique là, genre à côté des rochers de l'eau. Aujourd'hui, nouvelle journée et on fait du canoë-kayak à Chicoutimi. Bon, il y a un de mes potes qui vient de tomber. Oh putain! Non mais vraiment genre... Ça va Vincent? Non non vraiment je te jure la vie de ma mère tu me coules! J'espère qu'il n'y a pas des bêtes bizarres ici hein. Parce que là je me fais dévorer, tu imagines des... Comment t'as fait pour remonter téléphone, genre j'ai cru qu'il était dans l'eau. La terre c'est tout. Mais ça plus jamais.